Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage logiciel catégorie 5. Alors, je m'excuse pour l'absence causée par des préoccupations. Alors, maintenant, je suis prêt à reprendre notre formation. Alors, on s'est arrêté dans les exercices de la partie par design. Donc, pour cette vidéo, on réalisera ce 3D. C'est le 3D du cylindre de notre engin radial. Alors, sur la boîte de description de la vidéo, vous trouverez le PDF suivant qui contient les vues nécessaires ainsi que les cotes et les dimensions de cet engin, de ce cylindre. Donc, je commence la réalisation. Alors, je sors ici. Vous allez dans démarrer, conception mécanique, par design, et là je le nomme cylindre, entrée, et voilà, je prends celui-là, XY, en porteur d'esquisse. Alors je clique sur rectangle. Ici, alors j'ajoute quelques dimensions. Voilà, et je mets pardon. Alors je clique ici, et ici en maintenant la touche contrôle. Voilà, et je fais symétrie. C'est bon. Alors je reviens sur mon PDF. Alors là, j'ai une distance de 400 et ici on a 150. Voilà, alors ici on a 400, pardon, 400, et sur l'autre côté on a 150, 150, c'est bon. Voilà, je sors de l'esquisse. Alors là on a une épaisseur de 75. Donc je mets 75. C'est bon. Donc je prends celui-là. Celui-là. C'est la même chose. Esquisse. Je reviens ici. Voilà. Je clique sur. Alors je clique ici. Ici et ici, et je fais la projection des 3D. J'ajoute une ligne horizontale de préférence qu'on ajoute des contraintes. Voilà, donc, coïncidence et OK. Je clique ici, je mets horizontal. C'est bon. Alors je vais aller sur l'outil effaceur, et là je clique ici et ici. Voilà, j'ajoute quelques dimensions. Voilà. Alors ici je mets on a 150 ici, donc 400 moins 150, c'est 250. Alors 250. C'est bon, je sors de l'esquisse. Voilà, je mets poche. Et ici, je mets exactement 75 moins 30. Alors, c'est 45. Voilà. Alors, je clique ici. Esquisse. Alors le diamètre est de, non, un diamètre de normalement c'est 45. Voilà, c'est 45, donc non, un diamètre de 90.
clé et ici se coïncide avec cette ligne. Voilà, je sors de l'esquisse, c'est bon. Et poche, si je mets jusque suivant, ok, c'est bon. Voilà, et là on utilise la répétition circulaire. Alors ici sur toute la couronne entière, et si on met 4, attends je vérifie, élément de référence, c'est Z, voilà c'est l'axe Z, donc ici j'ai mis 5, c'est ok, non, alors là, il faut qu'on sélectionne les quatre opérations qu'on a fait. Voilà, répétition circulaire, 5 sur toute la couronne, et ici la référence ou bien l'axe de rotation CZ. Voilà, c'est bon. Presque on a terminé notre 3D, il reste juste à ajouter les congés. Donc voilà, congé. On fait celui-là. 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 Ici. Et finalement ici. Et ici on met 50. Voilà. 50. Là je prends ce plan comme porteur d'esquisse, j'ajoute un pied cercle de diamètre 2. Alors ici on a un diamètre de 30. Je sors de l'esquisse, poche, et je mets jusqu'à suivant, ok. J'ajoute une couleur, alors on fait un clic droit ici, propriété, vous allez dans graphique, et là vous sélectionnez la couleur que vous voulez, alors moi je mets le bleu avec une transparence de 100, à peu près 100, ok, c'est bon, et voilà, alors j'enregistre ce 3D là. Voilà, je le mets ici, exactement, oui, c'est bon, donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous retrouve tout prochainement dans une autre vidéo.